Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Crossout, chers amis. Donc, j'avais comme prévu, comme je vous en avais parlé, demandé aux développeurs de jeu, donc ce qu'ils souhaitaient m'offrir, entre guillemets, dans le premier mail quand ils m'avaient contacté, ça m'avait surpris. Et donc, ils m'ont offert un pack de jeux. Donc, un grand merci à eux, un grand merci de notre part à tous, à vrai dire, je pense, hein. Donc on va installer un blueprint, voilà. Donc ça nous a remplacé notre véhicule précédent. Et on a un très très beau véhicule. Waouh. Sympa. Sympa sympa. Ça me plaît bien. Et donc on a quoi comme véhicule? C'est quoi? Attends, test drive. Alors qu'on voit déjà un petit peu le bordel. Ouh. Ça a l'air sympa, dis donc. Hop. C'est extrêmement précis. C'est extrêmement précis et j'aime beaucoup. Wouhou ! Est-ce que l'arme est solide ? Assez. D'accord. Bon. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Cependant, au niveau des touches, est-ce qu'on avait des contrôles qu'on connaissait pas dans ce jeu ou pas? Primary weapon, spécial équipement F, voilà, c'était ça que je voulais tester. Est-ce qu'on avait un spécial équipement là-dessus ou quoi? Non, rien du tout. D'accord. Je trouvais que ça faisait un petit peu gros pot d'échappement. J'aime bien. J'aime bien. Allons-y, chers amis. Battle. Get the cannon. D'accord. D'accord. Potentiellement une radio. Et donc, vous m'avez dit, chers amis, d'aller là-dedans. Easy race. Six piece. Reward in peace. D'accord. One piece, pardon. In. Et donc, ça se lance tout seul ou... ça doit se faire en groupe, je sais pas. A vous de me dire. D'accord. Ok. Collect all valuable cargo. D'accord. Why not? C'est vous qui m'avez conseillé de faire ça, chers amis, alors je vais le faire avec vous, entre guillemets. On va bien voir, hein. Je suis curieux. Je suis curieux, chers amis. Bon. Hop, allons-y. Hop. Voilà. Ok, et de 1. Hop. Voilà. On va attendre un petit peu. Voilà. Ah, j'ai plus de son dans les oreilles. On va attendre un petit peu. Le canon est un petit peu lent à se déplacer. Cependant, il est véritablement efficace. Hop. Voilà. C'est par là. Hop, un petit coup de frein à main. Et on est bon. Peux-tu te pousser, s'il te plaît? Peux-tu te pousser, s'il te plaît? Merci. Donc moi je vais passer par là. Hop. Oula, perte d'adhérence, perte d'adhérence. Trop de puissance. Ok. Ok. Lâchez-moi les bases. Putain, c'est un cul-de-sac. Non. Ah! Non! Vas-y, couvre-moi!
Hop, allez, tire. Aïe. Ça fait mal, heureusement mon... Ah, il me manque une roue. Je vais marcher beaucoup moins bien comme ça. Hop. Ok, parfait. Ah, j'en chie. Aïe. Je suis complètement sourd. Qu'est-ce que tu dis? Ok, à part là, j'imagine. Oh, il y a des ennemis partout. Aïe, non, pas mes pneus, pas ma roue. Meurs. Ok. J'arrive à m'en sortir. Ah. Frenzy. Allez. Ok. Allez. J'arrive plus à avancer. Ah. Ok, victoire. What? Ça en fait des stickers. Ok, cool. Go to garage, apparemment. Return to garage. Bah oui, on va retourner au garage. Why not? Easy race victory, d'accord. Battle. Reds. Et donc, si je veux là-dedans... Ah, il faut que je sois niveau 10 minimum. Ok. Donc oui, ça m'a donné aussi des crédits, hein, chers amis. Je précise au passage. Walk in a park. Take part in deep PvP battle. Comment kill or help kill... With bullets, d'accord. Kill enemy by ramming in PvP by ramming. Ramming, c'est pas lui foncer dedans. Bon, on peut essayer quand même get the cannon, enfin une dernière petite partie. Ça peut être sympa. Hop. Your car will be ready in the next round. D'accord, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un? Ouh. Oula, ça tire wide. Pow. Allez, tire. À cette distance là, il bouge pas d'un pouce son véhicule. Il est solide comme tout. Je sais pas ce qu'il a à l'avant aussi là, l'espèce de petit truc, la caméra là. Regardez. Il est sympa son véhicule. Il est vraiment sympa. Game qui va prendre 3 plombes. Et il fait des kills en plus, hein. On n'a pas vu, mais il fait des kills ce mec. Ah, il y a de l'action. Crack, too bad. Ah, il a ma voiture. S'en sort pas si mal, hein, malgré tout. Ah, il y en a un qui prend leur base. Tu te rentres dedans. Dedans. Oh, un bout du de la carcasse qui est partout. Oh, cette fin de game. C'est fini. Bon bah voilà, ils ont chopé la base adverse. GG à eux. GG à eux. À nous maintenant.
Allons voir ce qu'on peut faire. Ok, ok. On va bien voir. Ça peut être rigolo. J'aime pas celle avec le pont, à vrai dire. Parce que le pont, c'est souvent une zone normalement qui devrait être une zone de conflit. Et au final, non. Ah, bah attendez, je la prends dans l'autre sens. Ah! C'est quoi ce truc? Non, je touche pas de là. Ok. Hop. Voilà, problème résolu avec Jimmy. Boum. Je peux voir du rouge là-bas. Ok, avançons un petit peu. Quelques dégâts. Ok. Aïe. On se prend énormément de tirs dans le nez. On a perdu une roue, on se barre. Ça va les faire venir, vous allez voir. Ça devrait les faire venir normalement. Oui, je le vois. Hop. Alors. C'est assez serré. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de système de visée. Là. Ok, je vois pas trop les ennemis sur lesquels on devrait tirer. Vous voyez pourquoi j'aime pas le pont? Où ils sont mes copains? Putain, on est plus que 3. Victoire. Ah bah écoutez, génial. Victoire. Bon, bah j'ai pas compris pourquoi, mais victoire. Wires. D'accord. Small wheel. Ok. Ok, ok. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. N'importe quel lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bellus dans la Playroom. A plus pour vos aventures dans Crossout. Salut les gens et yop.